Bonjour tout le monde. Notre mission actuelle pour aujourd'hui, on nous a demandé d'enquêter sur la propriété Ornwhite. Je vais y arriver. Et nous, pour cela, nous allons devoir certainement rencontrer plusieurs ennemis. Donc je vous fais confiance pour les neutraliser en discrétion, éviter tout ce qui est grenade et tout ce qui pourrait attirer l'œil de tous nos ennemis. Je rappelle aussi. Chef, oui. Autorisation d'intervenir. Oui. On a reçu un contre-ordre du sergent Lewis. Il s'agirait plutôt d'aller enquêter sur le siège de Garan Mining. Garan Mining. Non pas le siège de Ornwhite Industries. Ah, ils ont oublié d'encore modifier les dossiers, c'est pas grave. Donc c'est Garan Mining. D'accord, on va changer le... Très bien, merci, Caporal Lisa. À vos ordres, Caporal Chef. Très bien. Du coup, nous allons devoir vérifier le siège de Garan Mining avec tous les équipements nécessaires, certainement prise de photos, prise de certainement des matériaux et matériels qui ne nous mettront pas vraiment en surcharge afin de rester quand même assez rapide. Mais si c'est des scanners ou des quelque chose de haute technologie, vous avez ordre de les récupérer. On va éviter que ça parcourt les Appalaches. Nous allons suivre un tracé assez simple. Nous allons suivre la 62 jusqu'à la route 62 jusqu'à son intersection avec la 93. Ensuite, nous suivrons la A93 jusqu'à Garan Mining. Je vous fais confiance pour cette mission. Et je pense que c'est à peu près tout dit. Et aussi, je le rappelle, nous avons sous couvert notre cher capitaine. Essayez d'éviter qu'il reçoive une balle perdue ou quelque chose. C'est notre VIP. C'est notre cher capitaine aimé. On va éviter qu'il revienne avec une blessure. Effectivement, il serait mieux que je revienne en un seul morceau dans le bunker. Très bien, bon bah... N'oubliez pas de prendre directement vos doses de Radix, vu que les zones en ce moment sont assez radioactives. Et après, nous pourrons décoller. Vous ouvrez la marche, Caporal Chef ? Oui. Vous, un derrière le capitaine, un à droite, un à gauche autour du capitaine. Scorpion à midi. Je confirme. Encore heureux que nous avons le caporal Lenfeuse. Si nous sommes blessés, il pourra nous soigner un petit peu. Oh, faites pas pour ça. J'ai tous les stocks. Attention, Ghoul devant. Ghoul et Rat Scorpion. Attention, d'autres. Ça va, pas trop de casse. Attendez. Un souci à serrer, je pense que vous êtes celui qui a pris le plus de dommages. Ah. C'est le but de ceux qui sont plus costauds. J'espère que nous allons pas trop croiser de mode d'ennemis. Ok, la route a l'air dégagée devant. J'ai l'impression. Vous arrivez à localiser d'où viennent les coups de feu ? Négatif, j'ai quelques problèmes, attendez. De la droite de la route. Roule repéré dans la chaussée. Oui. Ah. Boule neutralisée. Par là-haut. J'espère que vous savez lire une carte. Oui. La nuit est tombée bien vite. Effectivement. Ça me permettra d'avoir une meilleure couverture.
La région est bien calme. Trop calme. D'habitude, il y a toujours des yaogwai ou des saloperies dans le genre qui traînent. Contact. Oh. 12h, bourre, aigle sanglant. Confirmé. Neutralisé. Il y en a certainement encore un autre. Ils sont toujours en bande. Les aigles sanglants, c'est comme les rats. Si vous en voyez un, c'est qu'il y en a 10. Confirmé. Il est juste près de sa barricade. Ah. Attention aux tiraliers, hein. Ouais. Des castors. Quelqu'un veut faire un sandwich? J'espère que tout le monde a déjà bien mangé. De toute façon, je pense qu'il faudra faire quelques pauses pour se réhydrater de temps en temps. Oui. Nous sommes déjà à la moitié du parcours. D'ailleurs, bah, on peut se reposer un petit moment. Essayons de trouver quelque chose pour nous abriter. Je crois de mémoire, quand j'ai exploré avec une patrouille ces environs... Les radiations des colons. Oui, attendez, je crois que de mémoire il y a une tente ici. Oui, non. Ah bah zut. Ah si, non. Nous pourrons nous reposer un petit temps ici. Eh bien, nous allons couper dans la forêt afin d'éviter de trop se faire remarquer. C'est difficile de gagner sa vie par ici. Si vous êtes prêts. Ok. On n'aurait pas intérêt à s'écarter un petit peu plus pour la formation. Hein. N'oubliez pas d'utiliser les arbres rochers pour bien vous protéger. Je sais que face à une Gatling, ça importe peu, mais toujours utile face à des personnes qui ne savent pas utiliser leurs armes. Qui représente quand même la majorité des ennemis qu'on risque de croiser. Oui. J'en ai plutôt conclu que la plupart des habitants avaient subi un strabisme à cause de certaines mutations. Ah. De toute manière, ils sont impurs. Ça justifiera probablement leur manque de précision. Et aussi leur analphabétisme. Nous approchons du territoire Samarita, faites attention à vos gardes. On devrait peut-être quitter la route, non? Oui, oui. Ok. Bon, faites pas les mêmes bêtises que moi, évitez de marcher dans les buissons de baies pétards. Ouais. Mmh. Je crois que nous approchons de l'objectif. Pas encore en visu, capitaine. Ben oui. D'ailleurs, si vous envoyez récupérer des BTDP pétards, ça peut servir en tant que laxatif. Ah. En quoi on a besoin de laxatif pour l'enfant? Figurez-vous que actuellement on a une maladie assez étrange qui crée des flatulences au sein de l'enclave et on va s'assurer que les gens soient à jeun plus rapidement aussi avant les opérations. D'accord. On va éviter de se péter les deux rotules comme un certain McCain. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de McCain, ça fait un moment que j'ai pas vu dans la base. Suivant son opération, tout s'est bien déroulé, mais il a sûrement pris quelques congés supplémentaires. Vous savez, l'impact psychologique de ce genre d'opération est quand même assez lourd. Ouais, effectivement. Tarlouze. Mais monsieur, soldat Loupo, nous ne sommes pas tous des vétérans. Loupo, ce n'est pas pareil, vous êtes inhibé à la douleur. On sait que mentalement, en plus. Vous ne reconnaissez pas... Contact, oui. On va peut-être se mettre en position, il y a du gros robot là. Oui, du bon système de défense. Qui a lancé une grenade? Plasma en plus. Oh, plasma! Leur! Il me semble que c'est moi, elle s'est dégoupillée. Il vous semble ou vous êtes sûr?
Je n'ai pas... On réglera ça à la base. Mais rangez vos grenades immédiatement. On attend des soldats qu'ils aient un minimum de certitude. Ouais. Attention, contact. On a du cérébrobot aussi. Décidément. En haut à droite, direction ouest. Il est derrière le véhicule, il se cache, ouais. Le petit salaud. Attention, direction sud, cérébrobot en approche. Confirmé. Une. Neutralisé. Attendez, je passe en premier, restez là. Attends votre signal, hein, caporal chef. Alors prenez l'escalator de droite, RAS. Ok, quelque chose d'intéressant, les ordinateurs sont malheureusement cassés. Ah, des dossiers d'enquête. Je m'occupe de clichés. Je reviens juste à l'étage supérieur du building pour prendre un cliché. Très bien, dès que vous avez terminé, vous descendez, on va passer de l'autre côté. On va ouvrir les portes. Vous me ferez parvenir vos couchers, caporal Lanfeu, s'il vous plaît. Bien. Très bien. Prenez garde, la zone est minée. Hop. Je vous attends de l'autre côté. L'entraîneur a l'air d'être bloqué. Il y a des Gutsy, certainement des cérébrobots et des protectrons. Ok, autorisation d'ouvrir le feu. Allez-y. Bon, si vous avez des armes sans silencieux, ce n'est pas grave une fois qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment. Non, autorisation d'utiliser les armes plus létales. Donc, effectivement, permission accordée. Très bien. Tous ceux qui en ont, utilisez-les. Pas de problème. Ok. Très on bien. A le monorail sur la droite. Nous essaierons de sortir par là tout à l'heure. Éliminé. D'accord, il y a une balise. Je vais prendre en photo. Peut-être extraction pour plus tard. Deux personnes, allez ouvrir la grosse porte à gauche. Et allez-y voir si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Et le reste avec moi, nous allons fouiller les bureaux, qui a l'air d'être des bureaux en haut. Attention, Gutsy. Ah. Contact cérébrobot. Neutralisé. Il y a des passes, donc neutraliser. Je en photo et récupérer afin de les redonner, redistribuer. Certainement, elle donne accès à certains endroits. Bureau de réception. Attention, les machines qui refabriquent des robots. Il y a une porte ici. On a un serrurier parmi nous. Non. Ouais, si. Je suis ça. Je peux m'occuper d'ouvrir les terminaux et les portes. Oula. On va peut-être donner un petit coup de main d'aide pour la salle centrale. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant dans ces bureaux? Du bourbon 14 ans d'âge. Sinon rien de spécial. Pas de dossier, rien. Le caporal Lanfeuse est en train de crocheter le coffre. Un plan pour un pistolet laser. Tiens donc, que c'est intéressant. Bien, poursuivons, caporal chef, ah, Andreykov. Sur la droite, venez sur droite, il y a une espèce de salle d'opération. Il y a plusieurs majors Gutsy. Attention derrière vous. Attention. Gutsy. Confirmé, neutralisé. Qui est donc voilà, cet endroit. C'est une carte minière actuellement. Oui, mais leur système technologique est un petit peu trop avancé, je trouve.
On dirait presque une salle d'opération de l'enclave. Il faudrait m'amener des techniciens pour récupérer les données. Peut-être nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. La salle est un peu délabrée, mais le matériel a l'air d'être fonctionnel. Ouais, j'ai récupéré un morceau de code qu'il faudra faire intervenir les mecs du labo, mais il y a quelque chose d'intéressant sur ça, sur ce niveau. Apparemment, pas d'interface homme-machine valide. Très bien, allongeons sur la direction nord. Tout le monde est là. Attention, cérébrobo. Non, colonel Gutsy. Sur la droite. Un autre colonel Gutsy. Deux. Ah non. Ah, ne foncez pas dans le tas. Isma, on est bon. Ouf, il y a rien à cirer de ce côté-là. Il y a un holoband ici. Protégeons, faites un nettoyage s'il faut. Mais ça, la zone m'a l'air d'être sûre. Réparez vos matériels, récupérez que vous pensez pouvoir porter. Et surtout, récupérez le matériel haute technologie. Quelques explosifs de bonne qualité à récupérer de mon côté. Un châssis d'armure assisté. Avec un bras droit et une jambe droite d'armure de T51. Réacteur à fusion. Et travailler sur quelque chose. Sur quelque chose assez grand. Récupérer toute technologie récupérée est une technologie en moi pour nos éventuels ennemis. Tu parles le chef ? Oui. Et il y a une holobande ici, je sais pas si ça peut être utile. Soldat Muller, veuillez réquisitionner cette armure assistée. Châssis d'armure assistée. Drake qui travaille sur une genre d'armure assistée pour faire du minage. Attendez, ici il y a le terminal du chef du projet. Bien, récupérez toutes les informations essentielle à cette mission. Ça parle d'une armure assistée excavatrice. Il m'a téléchargé les plans. Bien. Je récupère les journaux personnels aussi. Oui. Et après saboter le terminal. Très bien. Caporal Lanfeuse, je vais avoir besoin de vos talents de serrurier ici. Décidément, cet endroit a été rempli de serrures et abandonné depuis des lustres. Il y a des choses à cacher. Attention, il y a un explosif accroché après. Attention, veuillez quitter la salle. Comment s'appelle ? Saboter la salle. Je vais saboter. Bien. Soldat Muller. Sous-off, je peux vous demander un service ? Qu'est-ce qu'il y a, soldat Lupo ? Mon arme s'est enrayée. Vous pourrez me la repasser en auto et avec un silencieux ? Oui, donnez-moi. Je vais faire ça avant de rattaquer sur la mission. Soldat Lanfeuse, protégez la première porte d'entrée. Soldat Muller, allez protéger la seconde portée. Enfin, la seconde porte, au fond. Bien reçu. Merci. Vous vous souvenez des paramètres que j'utilise ? Automatique, il vous faut et silencieux. Perforant, capacité munition. J'ai trouvé des plans, apparemment ils faisaient des études sur les cerveaux moteurs de déplacement. Oh, ça aurait été intéressant ça. Je pense que dans le minage, la mobilité est quand même importante. Alors, ils avaient quand même une belle quantité d'explosifs dans le coin, hein. Dans leur caisse d'explosifs, je viens de trouver 8 grenades de fragmentation et une grenade plasma. Tenez. Hop. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec tes grenades plasma ? HRP, c'est du drop random, du coup ne faites pas attention aux grenades plasma. Hop. Très bien, vous avez récupéré tout, vous avez pu saboter ce qui était sabotable. Il n'y a plus rien. Ouais, on n'a rien de bien intéressant ici. Hein. Il y avait quand même les plans de cette fameuse armure excavatrice. Ouais, j'ai retourné tous les bureaux, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dossier ? Très bien. Nous allons sortir par la seconde, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Tout le monde ?
Très bien. Allons-y. Bien, nous allons essayer d'évacuer, voir où amène ce trou. Ok, quelques bricoles ici. Il n'y a rien de formidable. Encore des explosifs. Ok. Je vais pas rendre l'éclaireur avec le sous. Je garde quand même un œil sur l'équipe qui descend. C'est bon, ils sont en train d'arriver. Capitaine, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis toujours avec vous. Il est derrière. Il est au milieu de la troupe. Ah d'accord. En fait, on est dans le... Une espèce de monorail ? Ouais, ah, on est dans le tunnel du monorail. Au fond. Non, c'est pas un monorail, c'est un... Non, c'est pas un monorail inversé. Ah bah, c'est un petit si modèle. Ça, si ça ne roule que sur un rail, c'est un monorail. Oui, mais ce n'est pas le même que celui de votre gars, c'est ce que je tenais à préciser. Ah, mais j'avais dit que c'était le même. Attention, il y a des tourelles. Bon. L'enfeuse. Et ouais. L'enfeuse, pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Pareil. Je vous en remercie. Les toiles sont safe. Négatif. Ah oui. On récupère pas ça. Par sécurité, comme ça au moins... Si jamais notre ami se loue... Elles nous débouleront pas dessus, oui. C'est bon, la porte est ouverte. Attendez. Il y a un détecteur et il y a un piège au fond, sur le mur. Quelqu'un pourrait one-shot le piège ? J'ai pas de visuel, il y a un peu trop de monde dehors. C'est fait. Lupo, vous avez trouvé quelque chose là-dedans ? Un peu de radix, deux steampack. La merde, attendez. Une matraque, un pistolet de fusée de presse. La pièce était piégée, non ? Non. Attention, il y a de l'huile sur le sol, évitez de tirer dans ce genre de lieu confiné. Pour ça, on a bien fait de neutraliser le piège, il doit être certainement prévu pour nous brûler. C'est déjà con, ça. Par contre, cela veut dire que là, si ça nous amène peut-être sur une autre base, la Grand Mining n'a quasiment plus rien d'intéressant pour nous, à l'heure actuelle. Ah, cela donne sur une sortie. Effectivement. Ici, capitaine, nous pouvons appeler un vertiptère à ce niveau-là ? Bien, faisons donc. Ici où je suis, il y a quand même une petite plaine, des fois, sur la direction est. Je pense qu'on va devoir s'éloigner un peu, il y a trop d'arbres ici. Ici, ici effectivement, on peut rappeler un vertiptère. Allez, que tout le monde vienne. Bien. Personne ne remarque rien, personne nous suit. Capitaine, si vous pouvez donner l'ordre. Le vertiptère approche. Je revois le signal. Envoyez le signal. Très bien, messieurs. Pour ma part, la mission s'est fortement bien déroulée. Nous avions de la chance que il n'y a pas de guet-apens, mais je suis quand même assez déçu de ce qu'on a pu rapporter. Enfin bon, on verra peut-être pour cette fameuse armure excavatrice. Pour ma part, c'est à peu près tout s'est très bien passé. Et si le capitaine a quelque chose à rajouter. Non, je n'ai rien à rajouter, juste que faites attention parfois à ne pas vous mettre devant quelqu'un qui est en train de canarder, parce que ça peut vite se transformer en désastre. Oui, je me suis un petit peu reposé, vu que je savais que le caporal Lenfeuse était des nôtres. Je savais que c'était un très bon soigneur, donc je me suis reposé sur ça. Bien. Mais ça se reporte vers plus. Vous avez chacun votre permission. J'attends votre rapport
Sur mon bureau, évidemment, caporal chef Andreïkov. Moi-même, je dirai à l'état-major ce que j'ai pensé de votre, comment dire, performance. Bien, capitaine, je vous enverrai le rapport dans la soirée. Bien,